Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire une petite présentation d'une astuce vraiment ultra efficace. Et ça va marcher sur tous les iPhones, iPhone 5, iPhone 6, jusqu'à l'iPhone 10, voire l'iPhone XS, XR, etc. Grâce à cette astuce, tu vas pouvoir envoyer en fait un message sans toucher le bouton enregistrer. C'est tout simple, tu te diriges dans Rédiger. Tu mets le contact à qui tu veux envoyer ton message, tu le bascules vers ton oreille. Salut, je suis actuellement en train de faire une vidéo sur YouTube et je montre comment on peut faire un message audio sur iMessage sans toucher strictement à rien. Merci, à plus. Ici, vous pouvez voir que le message audio s'est fait instantanément. On va tout de suite l'écouter. Je suis actuellement en train de faire une vidéo sur YouTube et je montre comment on peut faire un message audio sur iMessage sans toucher strictement à rien. Merci, à plus. Merci Antonio qui m'a donné cette petite astuce qui est vraiment géniale. Vous n'avez que à ouvrir iMessage, à mettre le nom de votre contact, vous balancez votre téléphone sur votre oreille et tout se fait instantanément. Alors, si ça marche pas côté gauche, testez côté droit, ça va fonctionner à tous les coups. Ici, de nouveau, j'ai fait un message, regardez. Et tout se fait instantanément. Alors, si ça marche pas côté gauche, testez côté droit. Voilà, donc c'est vraiment génial, une superbe astuce. Vous ouvrez iMessage, le nom du contact, vous basculez votre téléphone, ça balance, vous faites votre message et vous envoyez. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez surtout à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. On est maintenant 10 500 bientôt. Donc, vous serez donc les bienvenus sur ma chaîne. Et à bientôt donc pour un tuto, une démo, une présentation. Salut à tous et à bientôt!